Un début de journée tout en douceur, au menu tartines et confitures avec un chocolat chaud, un dispositif expérimental qui a pour but de lutter contre la pauvreté et les privations du quotidien. C'est quelque chose qui concerne tous les enfants et pour eux, ça fédère aussi le groupe classe. C'est une façon de passer un moment convivial entre les enfants et partager ce moment parce que c'est un moment de partage aussi entre le parent et l'enfant. Lors de chaque petit déjeuner, quatre parents peuvent participer. L'objectif, les accompagner, mais également les sensibiliser à une alimentation de qualité et locale. C'est vraiment l'objet premier de notre association et de notre structure. Et ça paraissait complètement en cohérence de s'associer à ce dispositif qui sensibilisait les enfants sur ce format de bien s'alimenter le matin. Au total, ce sont 80 élèves qui en sont bénéficiaires. Un projet qui pourrait continuer de se développer. En accédant à ce petit déjeuner, finalement, retrouver des conditions normales de démarrage de la journée. Il faut que ça s'étende beaucoup plus parce que c'est une chance que l'État offre. C'est un dispositif d'État en lien avec les mairies, mais nous avons les moyens pour l'étendre à d'autres écoles. Intégralement pris en charge par la ville, chaque petit déjeuner coûte environ 2,30 € par élève.